il a préparé un bateau, comble. Il y a beaucoup chargé, ça va, c'est comme ça. Et au bon milieu de la mer, le bateau refusait de pas d'aller, de continuer. Ça va, c'est comme ça. Comme il a dit, le bateau était comble, il était beaucoup chargé, ça va, c'est comme ça. Donc, ils ont décidé, les passagers du bateau, le commandant du bateau a décidé de faire quoi, de diminuer le poids. Ça va, c'est comme ça. Et puisqu'on ne peut pas jeter des. Puisque qui faut-il jeter, qui ne faut-il pas jeter dans la mer, donc il faut décider qu'il leur donne un tirage au sort. Et le tirage au sort consistait à quoi? À prendre un dé, le dé de jeu de Ludo, de le jeter en haut. Et si quoi? Si celui qui le jette là, si ça apparaît à la surface, à la face qui est en haut, alors cette personne-là sera jetée dans la mer. C'était ça le tirage au sort, c'est comme ça. Dieu l'a dit dans le Coran. Hein? Que Jonas savait préparer à un certain tirage au sort. Dieu l'a dit dans le Coran. Quel est le tirage? Le tirage au sort, c'est quoi? C'est je vais aider, des vidéos, et chaque fois que ça apparaît, si ça a la surface, parce qu'il y a un haut là, je vais laisser cette personne dans la mer. C'était comme ça. Donc, les autres ont jeté, il n'a jamais apparu 6 à la face en haut. Mais quand Jonas a appris ça, il a jeté ça, Si c'est apparu en haut, ça va, c'est comme ça. Et puisque Jonas était un noble dans le milieu, dans la ville, puisque c'était un prophète, ils ont décidé de ne pas le jeter. On lui a donné alors une seconde chance. Et puis, il a pris le dé là toujours, et puis il a lancé, et ça a encore eu le 6. Ça va, c'est comme ça. Et on a dit, ce monsieur-là, c'est quoi? On ne peut pas quand même le jeter, hein. On l'a donné encore deux fois par heure, et chaque fois qu'elle faisait ça là, il y a du mieux, c'est ça qui apparaît à la facilité. Et là, ils ont dit que dans ces conditions, ils n'ont plus le choix. Et puis, c'est comme ça, ici, ils ont plus le choix. Là, c'est le jeter dans la mer. Ça va, le jeter dans la mer, ça va, c'est comme ça. Et c'est son image là, qui va se décider de pas dans la mer, dans l'eau là. Et cette image là, c'est ça que le poisson avait, tel est le poisson qui est venu l'avaler. Son image là qui s'est transformé en ce poisson là, et puis il a avalé. C'est comme ça. Et pourquoi chaque fois je lance jouer 6? D'abord je lance qu'il joue 6, hein, parce que je passe. Là c'est aussi bien vu, il fait du sort de courant. En l'occurrence, la sorte de disque de courant, et disque c'est quoi? C'est 4 plus 1, 6, n'est-ce pas? 4 dans la famille, c'est D. Maintenant 6, vas-y 6. D comme quoi? D. D, je vais te dire. Maintenant 6 comme 6. On voit bien, je suis là, il joue pas. Il joue 6 avec le D. Il joue 6 en haut, ça va, c'est comme ça. Je suis là, c'est que je joue 6. C'est comme ça. Pourquoi il ne veut que je joue 6? Parce que quoi? Là, ça prie quoi? C'est lui 10, 10, c'est 4 plus 6. 4 de l'opéra, c'est la soeur de la femme. 4 c'est la femme. Maintenant 6. 6 c'est quoi? C'est 4 plus 2. N'est-ce pas? Du coup, 6 c'est le doigt comme 42. Avec 42, comme 4, il devait puis la soeur de 6. C'est peut-être que quoi? 42 c'est quoi? C'est un patron, un de l'opéra de 6. 6 c'est le soulier. Le plus patron se dit, je peux confondre. 6 c'est le doigt 42. Ça va? Et 42, c'est ça qui est la sienne des eaux. 42 c'est la sienne des eaux, ça. Vous savez que la scène des eaux.